bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rocksteady Revolution. On se retrouve dans notre petit Bazenji uni, où les gens sont ma foi fort contents. Il y a que les carifis qui font un peu la gueule à 88%, parce qu'on n'a pas pu les rendre indépendants. Mais franchement, hein, 88% d'approbation, j'en connais qui seraient heureux d'avoir autant. On va regarder si on peut pas consommer un petit peu de notre population en construisant des trucs à droite à gauche. Alors, les marchés, on est pas mal normalement. Je ferais bien quelques musées à droite à gauche. Je sais plus c'est quoi, c'est un par province. Donc est-ce qu'on a des provinces, on en a pas. Ouais, là on en a pas. En plus on a un hôtel. Et ça peut se construire dans les collines. C'est parti. On claque du musée, donc ça va refoutre un petit peu le dawa dans la pop, mais c'est pas grave. Elle d'histoire naturelle. Alors ça non, par contre, j'ai pas envie que les États-Unis nous détestent. Ce serait quand même dommage. Est-ce qu'on réactiverait pas notre petit déplacement forcé? Il y a toujours une infanterie ici qui est pas hyper jouasse. D'un autre côté, un peu de challenge, ça ferait pas de mal. Hein. Allez, bim. Alors vu que on est aussi à peu près bien, on va repasser en sécurité sociale ici. Et là on est en éducation laïque, c'est parfait, internet libre, priorité aux voitures, on pourrait mettre une petite priorité à l'environnement éventuellement, mais c'est pas forcément une priorité. Alors là je sais pas si on peut redéclencher un... référendum en fait. Je vais essayer de passer là-dessus, et dans quelques mois on essaiera de repasser là-dessus, voir si on peut refaire un référendum. Là on était bien, impôt progressif, alors pas de salaire, revenu universel. On va faire un petit revenu universel des familles. C'est bien ça. On a largement les moyens pour un revenu universel dans notre pays, on est progressiste nous. On est passé en économie verte, c'est très bien. Là on est toujours non aligné. Et on vise la sécurité internationale pour pouvoir discuter avec les gens. Justice équitable, ça me va. Couvre-feu, non. Là, on a fait tout ce qu'on voulait faire ici, hein, très clairement. On n'a pas trop de problèmes. Allez, c'est parti. Toi, tu retournes là-bas en un tour, pas de stress. Oula! Le président des États-Unis a prévu de s'arrêter brièvement au Bazenji pendant un de ses tours des contries des pays du Moyen-Orient. Alors l'ambassadeur américain nous a prévenu que le président n'aurait que quelques heures pour nous rencontrer avant de devoir partir au Qatar. Alors, on offre aux Américains un magnifique faucon pèlerin, le message sera clair. On négocie l'achat de nouvelles armes, on fait l'apologie des réformes sociales accomplies en si peu de temps, on demande une aide financière, on critique l'interventionnisme américain, ou on refuse de le rencontrer, carrément. Ouais... Bah, les armes, clairement, on n'a pas besoin. Ça c'est le truc histoire de jeter les ventes, mais bon ça peut être fun hein. L'interventionniste américain dans la région. On pourrait monter à 100% d'approbation totale, hein, ça serait intéressant. On va faire ça tiens. Après tout c'est pas vraiment nos amis hein. Alors lui il veut qu'on augmente le taux de sécurité jusqu'à 7 points. À Carif, il est à 5 à Carif. Alors là par contre, il va falloir qu'on se bouge. Hein. Ce serait intéressant si quand il y a des unités proches des villes et tout, ça permettait de monter ça. Ok, on a réussi à récompenser direct le... Enfin, quasiment directement la construction de notre musée, c'est plutôt cool. Du coup, il y a des gens qui ont dû perdre un max de loyauté, non? Ah, les drones aussi ont de la volonté, tiens, intéressant.
Bah après on a refait le. On a fait les ventes qui a remonté de plus 1 à la loyauté de tout le monde, donc du coup. Ça n'a pas dû se voir. Ce qui veut dire que il faut qu'on s'intéresse de près à la sécurité publique. On est déjà au max, hein, ici on est d'accord. On va se tirer un petit peu, voilà. Attends, la thune qu'on gagne quoi. Ouais, c'est marrant, ça joue sur ce truc là quand on investit. Bizarrement. Peut-être un bug. Quoi qu'il en soit, la sécurité publique à Carif. J'ai une augmentation, le ministre est dangereux, il y a plein de choses à faire pour s'amuser. Carif devrait être un pays autonome, mes enfants s'en sortent bien, nos écoles sont parmi les meilleures du monde. 99% d'approbation, c'est quand même propre. Du coup, la sécurité. La sécurité, la sécurité. L'agence de renseignement, c'est fait. Des politiques de télécommunication restrictives au ministère du Développement, la fermeture des frontières, la brutalité policière et la justice expéditive. On pourrait fermer peut-être les frontières, alors ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, mais on pourrait effectivement passer en approbation, en interdiction d'entrée. Nous allons construire un mur, il sera impénétrable, sera le plus grand mur jamais construit. Il y aura une belle grosse porte au milieu du mur. Des gens entreront, mais entreront en toute légalité. Alors c'est marrant parce que ça, ça n'a aucun effet. Je sais pas si on fait des... si on fait vraiment un mur tout autour, est-ce que ça fait quelque chose? Honnêtement, je ne saurais pas dire. Je crois que si, ça nous mettait un truc là. Une mesure extrême, les murs sont construits sur des tuiles non montagnières et réduisent considérablement la probabilité qu'un réfugié apparaisse sur cette tuile. Ouais, ok, ça fait cet effet là, mais ça rend pas les gens contents ou quoi que ce soit quoi. On va passer en interdiction d'entrée pour essayer de draguer un peu plus la sécurité publique, parce que c'est vrai qu'elle est pas haute, hein. Est-ce qu'on peut voir pourquoi... Bureaucratie policière, égalité, internet libre... Pardon, je tousse. Ça tend vers 7,5. Bon, en fait, c'est presque à 6, ça tend vers 7,5. Donc on va laisser travailler, on va voir. Il y a moins que ça se fasse tout seul. On a combien de temps? 10 mois, ouais, ça devrait se faire. Ça devrait largement se faire. Alors, toi, tu es arrivé ici. Et bah, tu vas continuer de faire le tour du pays, écoute. Et toi, tu es arrivé ici. Tu vas aussi continuer de faire le tour du pays. Hop. Alors, je sais pas toujours, hein, toujours pas s'ils ont une zone de détection, hein, donc ça se trouve, il pourrait y avoir un camp qui apparaît ici, elle ne le verrait pas. Mais normalement, d'après ce que j'ai pu voir, elle voit très très loin. On est d'accord qu'on peut pas construire une autre agence de renseignement. Non. Niveau plastique, on est bon de nouveau. Ouais, on est bon de nouveau niveau plastique, c'est parfait. Ici, on commence à devoir importer un petit peu. Pourquoi? Pourquoi? Bah, toujours à cause de l'or. Hein. C'est toujours l'or notre problème. Mais bon, on n'a qu'une seule mine d'or, je crois. Peut-être deux maintenant. Même pas sûr. On peut pas faire mieux. Non, on n'a qu'une, donc bah, avec une mine d'or. Hein. Déjà, elle produit un max. Hein. 116, 116, c'est un beau score, mais si on en avait une deuxième, ça aiderait. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, il y a un succès qui consiste à construire un truc de chaque. On pourrait y aller, hein, un petit parc éolien, là. Un endroit où il y a de la pop. Tiens-vous. Un petit parc éolien là. Ça fait plaisir un petit parc éolien. Hop, voilà. Et alors après, on peut aussi faire ça. Par contre, voilà. Produit d'énergie renouvelable, mais affectera négativement la nappe phréatique en aval, ce qui rendra les terrains fertiles arides. Donc, j'aime pas trop le faire. En plus, je suis même pas sûr qu'on ait des rivières dans ce pays. Non, si là.
On va le faire là. Oui, ça rend, d'accord, ça rend tout ça, d'accord. Je voyais pas trop dans quel sens ça serait, moi, si j'allais rendre stérile les trucs derrière, mais non. Ça rend stérile cette zone-là. On est passé à 43, du coup. Mais c'est pas très grave, hein. On a encore quand même une belle zone fertile. Du coup, on a ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. Il nous manque une centrale électrique, même si ça nous sert plus à rien. On va donc en faire une. Et bim. Et voilà. Alors vous le voyez pas parce que c'est le, il y a le l'overlay, mais on a la toute puissance. Et on a quand même 1000 de production d'énergie. C'est presque dommage qu'on puisse pas la vendre. Mais sur cette petite réussite, on va passer le tour. On s'est fait un petit succès grâce à notre financement. On va dire plutôt important. On va pas se mentir. Alors on a pas mal d'unités qui passent au centre. On va peut-être leur faire une route. Là. Je pense. Ici, là. Une petite route. Hop là. Bien sûr, hein, on est le base NJ maintenant. On fait plus de route de terre. Voilà, parfait. Alors, toi, t'es arrivé, mais je t'avais déjà mis. Non, t'es pas encore arrivé là où je voulais que t'arrives. Récession mondiale en cours. Allons bon. Ça nous impacte, ça ? Votre excellence, j'apporte de terribles nouvelles. L'économie des États-Unis s'est effondrée suite à une autre crise financière et ça a des conséquences sur l'économie mondiale. La plupart des pays sont entrés en récession. Tous nos investissements ont été perdus. Ah. Mais nous, on était sur une pente à faible risque. Du coup, on a quand même gagné un petit peu d'investissement. Même si c'est pas dingue. Voilà, c'est celui-là qui fait qu'on perd éventuellement sur certains événements. Alors, on a réussi ici à atteindre 6. On est à combien réellement? 6, 5, on tend vers 7. Ouais, d'ici un mois ou deux, franchement, on va y être. Alors, lui, il a développé les technologies de pointe. C'est parfait. Alors ça, j'ai jamais trop compris la politique de confidentialité. Les sites de vente en ligne doivent révéler toutes les informations qu'ils collectent sur les consommateurs et comment ils utilisent, ça montre l'état de droit. Ah mais oui, mais non, mais voilà, ils doivent... Oui, ok, c'est un genre de RGPD-like, quoi. Je comprenais pas qu'ils publient leurs infos, ça montait l'état de droit. Mais oui, non, d'accord, c'est une législation sur bien gérer les données, quoi. Nous, on va faire les petites écoles diplomatiques. Parce que monter la diplomatie internationale, c'est toujours utile. Alors, priorité à l'environnement, ça fait quoi? Le gouvernement fait de l'environnement sa priorité à travers des solutions de transport public et des primes à l'achat de voitures électriques. La population rurale sera mécontente que leurs impôts soient gaspillés pour des choses qui ne les concernent pas. Il ne fait nul doute que le peuple se réjouira d'apprendre que nos autoroutes bien-aimées ont été améliorées afin d'avoir des péages qui interromperont tous leurs déplacements au nom de l'intérêt national. Comme c'est bien dit. On prend. On prend. Bim. L'international, c'est important. Alors, ici, ça devrait se régler. Parfait. Nos agents de renseignement. Pour l'instant, rien de nouveau. Toi, on va faire un petit tour quand même au centre. Nos clercs travaillent tranquillement. Hein. Ça n'a pas changé notre truc ici. Les religieux conservateurs peuvent devenir des religieux libéraux. Ça fait quoi? Nanana. On est plus tolérant aux immigrants illégaux, mais on en a pas. Ça c'est quand pour avoir une... ne pas être malheureux quand il n'y a pas de prospérité, mais on a une super prospérité. On peut convertir les gens en religieux, ça nous intéresse pas non plus. Moins de chances d'être désertifiés. Et ils sont moins mécontents quand il n'y a pas d'entertainment, mais on a largement tout ce qu'il faut là-dessus. Le seul truc qui pêche, c'est éventuellement un petit peu d'environnement à droite à gauche. D'ailleurs, on pourrait se permettre peut-être de faire des petits jardins publics là où on n'en a pas. Ici, on en a un. Ici on en a, ici on en a, ici on en a, ici on en a pas. On va donc s'en faire un.
Hop là, voilà, et on passe à 8 ici. On est à 9, 9, 9, 9, 9, 8, c'est propre. Et peut-être qu'on va pouvoir en faire un à Carif également. Est-ce qu'on en a? On n'en a pas un à Carif. Hop là, il y a de la pop. Il y a des besoins d'environnement. Ici, j'en ai pas fait non plus, étrangement. Du coup, on va le faire là. Juste à côté de l'hôtel. Voilà, et on passe à 8 du coup. Que demande le peuple? Et on passe le tour. Les Nations Unies ont établi le pacte de Toronto qui requiert de chaque membre qu'il limite ses émissions de carbone. Les scientifiques voient ces mesures comme insuffisantes pour lutter contre le réchauffement climatique et s'engager dans ces accords pour avoir un impact très négatif sur certaines de nos industries. Alors on peut le signer, plus 1 de qualité environnementale, plus 2 de leadership, plus 3 d'approbation des libéraux, prix du pétrole en décroissance et on perd 2 de prospérité quand même. Signer mais l'ignorer. Plus 1 de réputation diplomatique si on fait ça. ils sont cons. Refuser de signer. On va y signer et y adhérer. On peut se permettre, je pense, même en termes de prospérité. Et ici, on a réussi à atteindre 7, mais c'est redescendu tout de suite. Du coup, il nous kiffe, on a 2 faveurs avec lui, ça ne nous sert pas à grand chose pour l'instant, mais c'est pas grave. Si à un moment, on a l'occasion de se s'en servir, on l'utilisera bien sûr. Ça, on va le détruire maintenant, parce qu'on n'a pas besoin et que ça fait de la pollution pour que dalle. Toi, tu vois toujours aucun méchant, hein, on est d'accord. Toi non plus. Alors, ici, on est de nouveau un petit peu en dèche, mais c'est de la bouffe qui est coupée. Et on n'a pas trop de problèmes. Alors le prix du pétrole va baisser, mais c'est pas gravissime. Et pour compenser notre nouvelle politique environnementale, eh ben on va booster les subventions. Et boum. Et on voit qu'on peut monter à 15. Alors est-ce que du coup on a un truc pour monter la... Change de seringue, ça m'étonnerait. Masque obligatoire, non. C'est pour la santé, tout ça. Alors, elle, on le voit pas. Agent dormant. Centrifugeuse clandestine, non. La planche à billets. Taxer les organisations confessionnelles. Le paradis fiscal. Je vois pas ce qu'on pourrait rechercher qui nous permettrait de mettre plus de thunes. Non, je vois rien. Échange culturel, non. Je me disais, il y a peut-être, même si la jauge ici est au bout, il y a peut-être un truc à rechercher pour pouvoir aller plus loin. Visiblement, on peut aller jusqu'à 15, de manière générale. Mais, faut croire que je ne le vois pas. Alors, on reviendra dans la citoyenneté quand elle sera revenue. Il se peut que j'ai raté un truc. D'ailleurs, si je rechange ça, c'est trop tôt, ouais. Par contre, je peux peut-être... Non, c'est trop tôt aussi. Rechanger ça. Toi, encore 5 mois avant de pouvoir faire ce qu'il faut. La loyauté des unités, ça ressemble à quoi? Ah, c'est un drone qui a perdu de la loyauté. Merde. Ça, c'est pas bon, ça. On va du coup enlever cette loi pour l'instant. Parce que autant les autres unités sont assez facilement remplaçables, autant le drone, c'est un petit peu chiant. Allez, on passe. Gardez-nous à l'arrière. Bah oui, t'es un mortier, bien sûr que tu restes à l'arrière. Et on n'a pas des ventes cette fois. Je crois que ça réfléchissait pour un event, mais non. Alors, toi... On est d'accord, c'est tout calme. Tu vas par là. Et toi, c'est tout calme aussi. Du coup, tu vas par ici.
Et on est pas mal hein, en termes de population, ça se rééquilibre bien, on a plein de gens qui nous rejoignent, ça fait plaisir. L'approbation a un petit peu baissé, mais bon, hein, on va dire que ça reste plutôt correct, on peut pas dire le contraire. La prospérité crève le plafond de nouveau. Elle est toujours pas revenue. Et on va voir si on peut du coup refaire un référendum avec ça. Sachant que les élections sont bientôt, c'est peut-être pas une super idée, mais bon. Putain, on a que 40% de chances de succès, mine de rien. Interférer avec les élections américaines, c'est une idée de merde. Des crypto-monnaies russes, c'est une idée de merde. Bon, on a rien d'intéressant. Pareil, les armes nucléaires. Je vois vraiment pas l'intérêt du truc. Enfin, ceci, on aura des armes nucléaires, hein, je dis pas, mais on n'en a pas besoin. C'est surtout ça. Tous nos gens, j'allais dire nos vassaux à la U4, mais non. Tous les gens autour nous aiment bien. Éventuellement, eux, c'est une nation instable, mais à mon avis, il n'y a pas trop de risques non plus. On est allié avec la Chine et la Russie maintenant, d'ailleurs, c'est plutôt cool. Les USA s'en foutent de nous, mais on s'en fout d'eux, donc ça tombe bien. Toi, tu vas chercher l'incitation à l'immigration. C'est parfait. Niveau corruption, ça donne quoi? On a de la corruption quelque part? Je pense pas. Hein. Dans les vieux bâtiments, là. Non. Non, on n'a pas de corruption. On n'a pas de corruption chez nous. Pas de ça chez nous. Allez, on passe. Ok, c'est plutôt calme pour l'instant. Yes. Toi, tu détectes rien, tu vas monter là-haut. Où est-ce qu'il est l'autre? Il est là. Yes. Planqué au milieu. Tu détectes rien non plus, tu vas là. Bon, il nous reste un petit problème de santé ici et un petit problème de sécurité là, mais franchement. On est très loin d'être dans le mal, hein. Alors, est-ce qu'on est bien sur tous les trucs que je voulais? Ici, on est en sécurité sociale complète, c'est parfait, on est en laïque. Internet libre, priorité à l'environnement, c'est parfait. Ici, on est en amende honorable, indépendance, pour l'instant, ça n'a rien fait. Interdiction d'entrée, j'ai rien de changé. Mais c'est un peu tôt, c'est pas tôt, on peut y revenir, c'est nickel. Donc, je voulais regarder, mais on dirait pas... Nanana, jour saint... Statue à foison, non, il n'y a pas de recherche pour... Il n'y a pas de recherche pour améliorer le budget de la sécurité. Hein. De toute façon, c'est pas des trucs à sélectionner, donc si je ne peux pas le faire, c'est forcément un truc que j'ai pas recherché. Donc c'est pas ça. Politique de confidentialité, ça pourrait être cool, mais d'abord, il fait sauter notre truc. Appel d'offres, c'est pas ça. Échange de seringues, c'est pas ça. Nous ouvrions nos frontières, nanana, c'est pas ça. Obliger les citoyens à porter des masques, c'est pas ça. Éducation ultra-religieuse, non. École privée, non. Défense, les agents dormants et centrifugeuses clandestines, non. Casino, construire des casinos. Le paradis fiscal, non. La planche à billets, non. Taxer les organisations confessionnelles, non. Accident du travail, c'est pas ça. Gestion du travail des mineurs, c'est pas ça. Obliger les citoyens à faire non, c'est pas le thème. Là on a tout fait. Ici on avait déjà regardé, c'est que des accords. Et toi on a tout fait. Donc non, bah il n'y a pas d'autre politique pour faire ça visiblement. Donc on est bloqué à 11. Bon, c'est pas hyper grave. Hein. Mais du coup on va voir si on peut faire éventuellement mieux un jour. Pour l'instant, c'est pas fait. Donc on continue, amende honorable et tout c'était bon, ici on est en défense nationale, service militaire, non on s'en fout. Respect des lois, ça me va, impôt progressif, c'est l'idéal, on a du revenu universel, lui il est hyper pas content mais on s'en fiche de sa vie. Rationnement énergétique, aucun intérêt, hein. Électricité à volonté, par contre on est en économie verte, c'est parfait.
pourrait prendre le marché du carbone maintenant. On va prendre le marché du carbone. Alors ça va gueuler un peu, mais bon. On s'en fiche. On est non aligné ici, priorité à la sécurité, bah ouais, ça c'est pas très grave. Bureaucratie policière, c'est le mieux qu'on puisse faire malheureusement. Et justice équitable. Et bah ça me paraît pas mal. On passe. Alors, le ministre Kaïf Al-Fazal, comme prévu, n'est pas satisfait de votre manière de gouverner et vient d'assumer publiquement sa candidature aux prochaines élections. Vous avez 6 mois jusqu'à ce que les citoyens du Basenji votent pour élire le prochain chef suprême. Election season begins in Basenji today. The incumbent Basenji Nationalist Party is seeking support for a third consecutive term. Violent extremism is rising on the home front and support from the West is faltering. It's uncertain if the glorious leader will be able to secure the necessary votes to remain in office. Comment ça, des troubles? Il n'y a pas de troubles dans notre pays, tout va bien. Pendez les gens qui prétendent ça. Scandale. Un scandale! Encore 2 mois avant ça. Pour l'instant, est-ce que ça nous a déclenché peut-être un event où on aurait vraiment des troubles? J'ai pas l'impression, hein. Là, on est bien. L'attrait. Bon, bah, l'attrait, forcément, il y a des endroits où c'est un peu le drame. La pollution. Tous ces trucs qu'on n'a pas améliorés. Bim, voilà. C'est mieux? Ouais, bon, ça reste des usines, hein. Pas non plus de miracle. D'accord que ceux qui sont proches des villes, au moins je les améliore. Ouais. La loupe d'aridité, ben ça voilà. Hein. On n'y peut pas grand chose, je pense. Je crois pas qu'il y ait moyen de creuser des canaux ou des trucs du genre. Non, il n'y a pas vraiment moyen. Et la loupe d'approbation. Ben, alors ça c'est du jaune, mais c'est dehors. C'est pas chez nous. Je sais même pas pourquoi il nous le montre. Donnez-moi tout ce verre. C'est propre. C'est franchement propre. On va gagner ces élections. Mais haut la main, c'est moi qui vous le dis. Hop. Je vais même dépenser un petit peu d'argent pour améliorer les infrastructures de notre pays préféré. D'ailleurs, niveau touristique, ça donne quoi? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Ah, on a 7 de pop là-bas. On pourrait faire une petite université ici. Il y en a déjà une. Ok. J'aimerais bien faire une université à Carif. Pour le plaisir. Mais malheureusement, c'est un peu chaud quand même. On peut le faire quand même. Bon. Allez, c'est parti. Hop là, ça fait un peu mal. Est-ce qu'il est remonté notre drone? Toujours pas. On a bien la pension des vétérans, ouais. Nos amis, les agents de renseignement peuvent remonter. Toi, tu peux descendre, hein. Tu sers un peu à rien au final ici. T'occuper de cette ville plutôt. Et celui qui est là, je l'ai déjà bougé. Il voit rien de fifou. Donc on passe, et dans 2 mois, avec un peu de bol, on trouve de l'or. Je suis hyper confiant. Le gouvernement chinois propose de vendre des hélicoptères de pointe aux forces armées. Prenons-en un, prenons-en trois. Les remercier de leur offre, mais ce n'est pas le bon moment. Nous serions intéressés s'ils pouvaient inclure un tank. Ça fait quoi ça? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose avec lui? On va faire ça, voir ce que ça fait, est-ce qu'il a gagné un truc. Notre demande en aluminium, aluminium c'est jouable. Non, peut-être juste parce que c'était lui, il est conservateur et religieux, donc vu que c'était lui, on a pu faire ça.
Alors, on a reçu normalement un hélicoptère et un tank. Ça. Ici peut-être, ouais, ici. Sur ce camp-là. On va aller par là-bas avec toi. Et toi, tu vas aller sur cette petite caillasse. Ici, il a cherché le casino, sans grande surprise. Bah écoute, j'imagine que tu veux vraiment pas chercher ça, non. La planche à billets, non. Le paradis fiscal, ouais, bon, il va nous chercher tous les trucs qu'on veut pas avant de chercher le dernier qui nous intéresse. Mais tant pis. C'est comme ça, et puis c'est tout. Ici, on va réactiver un coup ça. Au pire, hein, on verra si jamais un drone part en sucette. On va envoyer un SAM dans le coin. Il faudra qu'il ait l'initiative, sinon il va se faire défoncer, mais... Je crois qu'ils peuvent pas se battre également contre les unités aériennes. Donc on va envoyer une unité aérienne. Est-ce qu'ils sont considérés... D'ailleurs, ils sont considérés comme quoi... L'attaque des drones est augmentée. Ah, je sais pas du tout s'ils sont considérés comme des unités aériennes. Parce que eux, ils sont efficaces. L'unité attaque augmente automatiquement quand un hélicoptère ennemi est à portée. Hein, c'est pas mal ça. Mais mais ils sont bons que contre les hélicoptères. On va plutôt envoyer un hélicoptère. Ça fera le taf. Ça fera bien le taf. Alors, exporter de l'aluminium. On n'en exporte pas déjà. Aluminium... Ah non, on est obligé d'en importer de l'aluminium. Ah, j'ai pas vu ça comme ça. On a 580 qui sort. Et on est obligé d'en importer. Bah du coup, on va dire, voilà. Ça c'est pour l'export. Voilà, je suis désolé. C'est comme ça et puis c'est tout. Des manifestants libertaires demandent une réforme du système carcéral du Bazanji. Les prisonniers ont actuellement très peu de droits, ils demandent à ce qu'ils aient accès à une nourriture équilibrée, des programmes éducatifs et des droits de visite. Bah oui, ouais quand même, ouais. Merci pour l'aluminium. Eh oui, je sais, alors ça, on n'a même pas de besoin de... Ça nous a même pas causé de problème parce qu'on a juste importé plus d'aluminium. Hop, bim, on désactive. Toi, tu as recherché incitation à l'immigration. C'est parfait, on active. Le Pazanji, ça nous gagne. L'accord sur le climat. Les échanges culturels. Ouais, c'est bien ça. Des petits échanges culturels. Ouais, les gens nous adorent. Mais on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long. Et dans le prochain, on fera, je pense, notre petite élection que l'on gagnera avec un peu de bol. Et on s'occupera de ça puisque ça faisait 2 mois, j'avais bien calculé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.